Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec un petit haul nose. Voilà, je suis passée ce matin, comme ça, je passais devant, j'ai vu de la lumière, je me suis arrêtée, et voilà. Donc voilà, je suis tombée sur ces tapis de coupe, qui sont relativement grands. Ils font 58 cm sur 42. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que donc il y a ce côté-ci, mais c'est magique, il est réversible. Du coup, on a deux côtés pour le prix d'un. Trop bien. Et puis la couleur. Ouais, la couleur. Donc il était en vert, en rose, donc non, pas rose, merci. Je laisse aux copines. Et ce violet. Putain, ça va changer du vert. Et donc ce tapis donc de 58 cm sur 43 était à 9,99 €. Donc voilà. Je me suis fait un petit cadeau. On va mettre de la couleur dans nos vies. Ça va être trop bien. Ensuite, je suis tombée sur cette perfo branchage. J'en avais pas. Je me suis dit, pour des petites créas, faire des petites perfo rapides. Voilà, elle était à 5,99 €. Donc voilà, petite perfo. Je suis tombée sur un arrivage. Je pense que c'est un arrivage, hein, je suis pas sûre. De rubans, la marque, bonne question, Antica Fioreria, donc ce ruban, donc j'en ai enlevé un. La particularité de ce ruban, c'est qu'il y a un fil. Donc ils sont rigides. Donc je me suis dit, pour faire des petits nœuds, voilà, ou ce qu'on veut, les plier, trouver ça sympa. Alors la dimension, bonne question. Est-ce que c'est noté 20 mètres? Donc 1,6 cm de large pour 20 mètres. Donc ils étaient à 1,50 €. Donc il y avait plein de couleurs. Donc, moi j'ai pris beige, un marron, un vert et un bleu. Voilà. Je me suis dit 20 mètres de ruban. Ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé des petits paperclips en rond, ouais, pour mettre sur des petites créas, sur des tags, dans les junk. Donc voilà, ils étaient à 99 centimes les 10. Donc il n'y avait que cette ferme-là, que des petits ronds. Mais bon, ça sert toujours. Voilà. Ensuite, alors. Ça, c'était dans le rayon cuisine. Lisa, tu ne rigoles pas. Nat, non plus. Donc, je pense que... Je suis désolée pour le bruit. On va faire vite. Ou pas. Donc, voilà. Donc, c'est une poire. Je ne sais pas quoi ça sert en cuisine. Peut-être pour doser les choses, je ne sais pas. Mais moi, je me suis dit, pour pousser les encres, pousser les pigments, voilà, ça fait de l'air. Je me suis dit, ça peut être sympa pour 1,50 €. Voilà. Moi, ça ne sera pas de la cuisine, ça sera de la patouille. Voilà. Donc ça, c'était 1,50 €. Et dernière chose, j'ai trouvé les gels crayons watercolor
Voilà, 48. Donc c'est de la gouache. C'est de la gouache solide. Ça doit être des stylos twist, je pense. On va regarder. Ça se pousse. Hop. Alors, on va essayer d'ouvrir. Ouais, ça doit être ça. Hop. Un peu de place. Allez, on prend le premier. Ouais, c'est ça. On va voir ce que ça fait sur une feuille. Une feuille. Hop, on va pousser. Faire un petit test. Ah ouais, sympa. Sympa. Donc c'est watercolor, ouais. Voilà, avec de l'eau. On a un magnifique pinceau, trop bien. Ok, super. Oups, un pinceau sauteur, tout va bien. Donc voilà, donc il y a 48 couleurs. Et c'était à 12,99 €. Voilà, dernière chose que j'ai prise ce matin, c'est déjà bien. Donc voilà, petit haul, court, efficace, tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Bye!